calculer cette probabilité-là, c'est la probabilité d'une intersection, c'est-à-dire de la probabilité de l'intervalle qui va de 2 à 3. On peut faire graphiquement en disant, alors ce n'est pas une démonstration, mais ça permet de prophétiser qu'on doit trouver la largeur de l'intervalle qui fait 1 fois la hauteur qui fait 1 tiers, donc on est censé trouver 1 tiers. Ça peut se faire mentalement de tête, c'est cool. Maintenant, pour faire une belle démonstration ECS, on va intégrer de 2 à 3 la densité, ce qui nous donne l'intégrale d'une constante. Bon, bah, on retrouve 1 tiers, c'est facile. La possibilité rusée de faire cette démonstration, la troisième variante, c'est de, ça c'est très très utile, vraiment ça revient tout le temps, c'est de prendre cette intersection-là et de dire bah, c'est la probabilité de ce qui va jusqu'à 3 moins la probabilité de ce qui s'arrête avant 2, et de remarquer que comme on a une barre à densité, on peut mettre un inférieur ou égal puisque la probabilité de trouver exactement 2 est égale à 0, donc c'est la même si je rajoute la petite barre en rouge. Et ça, on peut l'exprimer à l'aide de la fonction de répartition qu'on a trouvée avant. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ces calculs-là, on a les deux nombres dont on a besoin pour calculer cette probabilité conditionnelle. Je vais effacer ici. Et donc, alors, si je me contente de faire ce calcul, je trouve 1 tiers divisé par 2 tiers. Bon, bah, j'ai une chance sur 2, quoi, puisque les tiers se simplifient par la magie des fractions. Je vais me permettre de faire de refaire mon petit dessin pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. Donc, on a la loi uniforme, et donc les nombres entre 1 et 4 ont tous autant de chances d'être tirés les uns que les autres. Sauf que dans ce calcul, on sait qu'on va trouver un nombre plus petit que 3. Et donc, si on sait qu'on va trouver un nombre plus petit que 3, les nombres qui vont tomber, ils sont là. Et donc, ils ont quand même tous autant de chances de tomber les uns que les autres. Et donc, via l'intuition, on sait qu'on va avoir un nombre entre 1 et 3, et ils ont tous autant de chances de tomber les uns que les autres. Bah, si on veut un nombre plus grand que 2, clairement, bah, on a coupé cet intervalle-là en deux. Et ces deux intervalles ont exactement les mêmes caractéristiques. Donc clairement, on a une chance sur deux d'être dans cet intervalle-là et une chance sur deux d'être dans cet intervalle-là. Donc on pouvait prévoir déjà le résultat à la fin. Et donc, comment dire, les calculs qu'on vient de faire avec notre intégrale et ainsi de suite, vous voyez que c'est complètement cohérent avec l'intuition. Les nombres ont tous autant de chances d'être pris. On va trouver des nombres entre 1 et 3. Bon, bah, on a autant de chances d'en avoir un nombre plus grand que 2 qu'un nombre plus petit que 2. Donc, une chance sur 2. Et donc, l'intuition nous dit, ah ouais, c'est cohérent.